Jean-Henri Fabre est un des premiers naturalistes à avoir popularisé les notions de biodiversité. Il a fait du HARMA un laboratoire à ciel ouvert où il a étudié particulièrement les insectes pollinisateurs et les fourmis. Ces résultats ont été publiés dans un ouvrage de référence devenu célèbre, Souvenirs entomologiques. Malheureusement, la disparition des milieux naturels diminue les effectifs de ces insectes de façon très importante. Et pourtant, les services qu'ils rendent à l'homme sont indispensables.